Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 8 de Rayman 2, Rayman Révolution. Donc ça fait à peu près un mois que je n'ai pas retouché à ce jeu là. Et parce que ça fait un mois que j'ai fait la partie 7. Donc je risque d'être un peu paumé là. Ah si, j'ai quand même regardé un peu l'objectif qu'on a à faire. Et donc c'est d'aller dans un niveau de lave, parce que j'ai compris, voilà, en appuyant sur Select, traverse l'usine et recherche les marais, le sanctuaire de lave se trouve juste après. Bon, faut rechercher le marécage. Et avant moi, comme idée, c'était d'aller voir, j'arrive pas à faire la caméra. Avant je voulais aller voir les montgolfières, mais non, pas encore. Comme vous pouvez voir, on est à 53%, hein, comme vous l'avez vu avant, précédemment. Et je me suis planté le chemin. C'est magnifique. Ça commence bien. J'utilise le truc pour défiler la liste. Ouais, peut-être qu'il nous donne des trucs intéressants. Rebond 2, prix 110. Le problème, c'est que je sais pas ce que c'est. Fun! Fun radio. Et on peut pas l'acheter. Course tournoi acheté. Accumulation 2. Ça aura une meilleure puissance, c'est ça? Cadence de tir acheté. Bon, moi je vais prendre ça là. Accumulation. Voilà. Comme ça, mon pouvoir est renforcé. Je suis imbattable maintenant. La barbe tranchante va avoir peur en voyant cette attaque. Oh là là. Le Kamehameha renforcé. Attendez. En plus de ça, ça fait une magnifique explosion. Mince. Ouais, magnifique explosion. Bon, c'est un JPEG en 2D, mais on s'en fout. Donc... Je crois qu'il faut descendre. C'est par là. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Usine pirate. Bah voilà, l'usine. Donc, c'est l'usine et après, il faut aller au marécage pour pouvoir aller au donjon de lave, là. Sanctuaire de lave. C'est où là déjà? Ah oui, non, c'est pour voir l'île à fée. On s'en fout un peu. Je suis désolé ma grande, mais on s'en fout. Familier 2 sur 10. Je ne comprends pas. Ah, un nouveau défi quoi. Défi course 1. Défi siège. Bon ouais, c'est un nouveau défi quoi. La course sans doute. Voilà, disparaît, hein, hors de ma vue. On y va. On y va tranquillement. Faire un petit stock de lums. Non. Bon. Je sais même pas où on va. Dans un endroit sombre et lugubre. Aussi sombre que le temps de chargement. Qui fait peur à Rayman. Alors, donc là, normalement, on n'est pas loin de l'usine. Ah, voilà, bah c'est ça, l'usine. L'usine. Ouais, avec les zombies, là. Ah, c'est vrai, on avait ouvert l'usine et... C'est sans doute ça, la partie 7, hein, je sais même plus. Je sais plus trop si c'était à la partie 7. Mais je crois. Prendre une jaune. Oh là là là, un tableau de bord là, attention. Oh, regardez-moi comment c'est complexe. Trois boutons quand même. C'est très complexe. Hein. Trois boutons par poste. On peut dire ces robots pirates, ce sont des surdoués. Hein.
Ah, une cage. Ah, Fury. Cette caméra. On peut pas taper sur le truc. Non. On peut pas faire un caméra. Non. Oh, Fury. Fichtre. Nom d'une pipe. Que font-ils ici? C'est quoi ce bordel? Ok. Sanctuaire de lave, bah c'est ici. Je pense que quand il y a 10 000 ennemis qui pop d'un coup, on se dit, ah bah, bah ça veut dire que c'est le bon chemin. Ah oui, d'accord. Bon, arrêtez. Il faut que je place mon caméra. Ah non, c'est bon. Ils sont morts. Sanctuaire de lave. En fait, c'est complètement dans l'usine. Je vois pas pourquoi ils disent de passer les marécages. Au secours, Rayman! Les pirates m'ont capturé! Je suis enfermé dans la cage au-dessus de toi! Il y a 4 interrupteurs comme celui-là! Marche dessus pour activer ce canon! Et va au centre de commande pour tirer sur la cage. Il en sait des choses, lui. Bon bah du coup on va se faire. Ah, il est trop. Oula, ça sent le boss quand même ici. Hein. Je sais pas vous, mais il va y avoir un affrontement incroyable de Rayman contre un robot pirate boss. Ok. Non, il dit d'abord de taper ici. Active le canon. Ah mais comment déjà? J'ai pas bien écouté. Est-ce qu'on glisse là-dessus? Bon. Ok, c'est ça pour activer le canon. Quatre interrupteurs. Voilà ça. Purée. Ah donc voilà. Oh, attention, attention. Rayman, mon héros. Tu arrives juste à temps. Les pirates voulaient tester une nouvelle arme sur moi. Oh oh. C'est un piège. Je l'avais bien dit. Ils nous font dessus. C'est une nouveauté encore une fois. Je n'ai pas vu un boss comme ça dans Rayman 2. Non, je suis bloqué. Je crois faut l'avoir avec le canon. Ah non. Ah il y a des espèces de bombes qui me foncent dessus là. Wow. C'est le freestyle. Je comprends rien. Peut-être que le Kamehameha saura répondre à ma question. Comment battre ce boss? Non, je sais pas. Kamehameha! Oh okay, c'est très efficace. Ok, donc il tire dessus. Le Biditank est invulnérable, tu dois utiliser le canon. Tu dois utiliser le canon, mais comment? Ah oui, en activant les trucs. Il faut les réactiver. Ils font chier. À chaque tir, faut les activer en fait. Il va faire son attaque ultime. C'est inesquivable. C'est inesquivable. Alors on peut se cacher derrière. Ouais. Je pense qu'il faut se cacher derrière un décor.
Ah, c'est canard, c'est canard. On est presque dans Far Cry là. Oh là là. Et c'est notre copine qui va viser ou quoi? Globina là. Parce que... Qu'est-ce qu'il fout là lui? Crève. Ok, il est invincible. Ça, ça a rien fait. J'aime cette technologie magnifique. Non, sérieusement, faut faire comment? Je suis déjà presque mort, c'est magnifique. Hein. Puis je pense que c'est le même boss qu'on avait vu l'autre fois. La même gueule. Non, c'est pas vrai. C'est quoi cette vitesse de tir? Il est fou. Puis on a pas le temps. En plus ça rame. Ça rame. Si on esquive. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Bien sûr. Vite. Et ils font défoncer le robot qui sort du robot géant. Voilà lui. Et je l'ai pas eu. What? What? Et encore what? J'étais plein dessus! Mais attends, faut toucher ça ou faut toucher le robot géant? Je manque rien. Ah, attendez! Il y a une espèce d'interrupteur dessus. Je pense que c'est ça. Bon, je vais me suicider parce que je suis presque mort. C'est très loyal. De ma part. Hein. Try again! What? Quoi? Ils m'en mettent ici? Mais c'est des enfoirés. Et j'ai que ça comme vie? Et c'est quoi cette blague? Ils aiment faire des blagues? Chez Ubisoft. Est-ce qu'on peut les avoir avec le Kamehameha? Kamehameha! Ah, c'est tellement puissant le Kamehameha. Voilà. Nous avons vaincu des zombies qui sont de base invincibles. Donc au moins ça a sauvegardé... purée, j'arrive pas à rentrer. Au moins ça a sauvegardé la cage que j'ai libérée ici. Purée, par contre ça a pas tué les ennemis. Mais bon, tant mieux parce que comme ça je gagne de la vie. Ça fait un peu de farm, c'est bien. Un peu de farming. Attention, attention. Voilà. Bon bah, je vais pas regagner toute ma vie là. Je veux toute ma vie. Bon, tant pis, allons-y. Moi j'ai eu deux lumes jaunes en plus. C'est bien. Alors le boss il arrive direct ou... Ah non, ok, on est obligé de tous retaper, ouais, c'est super. Ah là là. Comment battre ce boss? Telle est la question. Nous sommes déjà à 13 minutes, c'est incroyable. Enfin, 14 plutôt. Comptant l'intro. Attention, le canon ultime. Il va sauver... Globina. Si vraiment elle s'appelle comme ça, c'est incroyable. Bon, est-ce qu'on peut passer? Les pirates voulaient tester une nouvelle arme sur moi. C'est tout à fait normal. Je suis une vraie tête à claque. Boss Billy Tank Poubelu Acroy 15. Non, j'arrive pas à lire. Vite, cache-toi.
C'est écrit tellement petit sur une résolution de 480p que c'est un peu compliqué. Je vais m'occuper de ce tas de ferraille. Merde. Ce tas de ferraille me zigouille un peu. J'espère qu'il nous donne des cœurs des fois. Ce serait fort intéressant. Ah purée, cette bombe. Mais non, c'est pas possible, il va déjà utiliser son rayon de la mort. Non, c'est bon. Purée, mais... Les bombes, elles sont inesquivables, quoi. Tellement de choses à l'écran que ça s'arrame. Oh non, mais je suis juste à côté. Ah là, mais quel manque de bol. C'est incroyable. Est-ce qu'il peut pas bouger son cul? Qu'est-ce qu'il fout là, d'ailleurs? Juste à côté du canon. Quelle intelligence débordante de cette IA. Alors c'est où que je peux le trouver? Bon, je m'en fous. Je crois qu'il faut tirer sur les interrupteurs, peut-être. Mais je vois pas. Et vise la tête. Ah ok. Ah bah je l'ai touché. Ah bah voilà. Ok, bah j'aurais dû lire avant ce qu'elle me disait. J'avais pas trop eu le temps de lire avant. Trop à fond sur ces tirs. Tirs de partout. Là c'est bien, elle me l'a dit au moment où j'étais avec le canon. Mais en même temps c'est parce que j'ai mis 3 plombes. 3 plombes à tirer. Purée. C'est le bazar, c'est le bordel. Je vais me faire toucher, c'est super. Avec... Oh purée. Avec la caméra qui a bugué. La caméra ne sait plus où se mettre. Bon, il a pas l'air très difficile. Juste que ça rame quand il canarde. Quoi? J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. What? Ok. Petit bug. Boum! Ça, ça nous prie. Ah, je crois que ça a enclenché en fait le script comme si je l'avais déjà touché avant. Et il s'est enclenché un peu trop tôt. Voilà. Petit bug. C'est chelou, oui, mais bon. Ça arrive des fois. Purée. Rôle. Ah là je gère. Je gère la fougère. Bon bah, je crois qu'on va bientôt en finir. Hein. Une bonne fois pour toutes de ce boss. Avec un petit dernier tir. Et oui parce que c'est toujours le chiffre 3 qui est mis en avant. 3 tirs. Et c'est bon. On va le jeter à la corbeille. Ok, fait que de le voir lui. Et je me vengerai. Et ma vengeance, ce sera terrible. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Voilà, je finis ces dialogues, hein, tout simplement. Ah, un petit checkpoint. Ah, petite flèche. Sous le sanctuaire de la... Et là... Sanctuaire de la... Bon, bah on va à sanctuaire de la... Le problème, c'est qu'on va encore voir de la lave, quoi, c'est ça? Super. Je suis très motivé. Super cool. On va se jeter dans le vide. Ah, quelque chose d'intéressant. Et comment avoir ce lume jaune sans se jeter dans le vide?
La bonne question. Ah, j'ai trouvé. Hélico. Mais purée, je l'ai pas eu. Donc on remonte. Je veux mon Lums. Attendez. On voit que dalle. Cette caméra incroyable. Voilà. 22 sur 30. Et là en fait faut monter avec ces trucs là, c'est ça? Non, il s'accroche pas. Ah, ou tirer dessus, je sais pas moi. Quoi? Je suis bloqué. Là je vois vraiment pas comment y aller. Tire dessus. Bon, on peut pas y aller, donc on va aller à l'autre embranchement. L'autre embranchement sous le truc de lave là, sans cœur de lave. Et donc ça veut dire qu'on va aller d'abord en dessous le sanctuaire de lave, et puis après on va aller véritablement au sanctuaire de lave. Ah, et ça sentait le marécage. Ah, surtout quand on voit le chargement. Peut-être revoir notre pote Serpinus. Quel nom magnifique. Serpinus. Très grand ami. J'ai du mal à parler. 54%, hein, on a gagné 1%, c'est en battant un boss. Oui. On avance. Hein. Donc voilà, nous revoilà au marécage perdu. Du sentier de lave. Avec des magnifiques petites lampes. Mises par les pirates, bien sûr. Oh là là! Les pirates, ils se mettent aux parachutistes! Les pirates parachutistes, c'est incroyable! Pirates parachutistes. Le 6 juin 1944, les pirates parachutistes attaquent. Oh purée, des fantômes. Je hais les fantômes. Purée! Qui sert pas à grand chose. Ah là 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 là. Rayman il s'en prend plein la gueule aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Hein. Purée. Une ribambelle de balles tirée par une gatling dans la gueule. Et ça maintenant. Un tonneau en pleine tronche. Un tonneau là, donc est con. La prochaine fois, je pense que je jouerai avec un casque branché, parce que là, je n'entends pas trop le son. Et moi, j'aime bien me mettre dans l'ambiance d'un jeu comme ça. Si c'est un jeu de combat, je m'en fous complètement. Purée. J'ai de la chance. Parce que là, franchement, j'entends presque rien, mais je suis sûr qu'il y a encore une ambiance de folie dans ce décor marécageux. Espérant que mon câble de 2 mètres sera suffisant. Mais bon, je n'ai pas un casque sans fil. Quand faut aller où là? Je reconnais ce thème. Bien sûr. Bah, il y a quand même. Les thèmes se répètent quand même. Ah, souvent des très bons thèmes. À ambiance. Et ben voilà, la réponse est ici. Il fallait regarder derrière. Ah, c'est quand même. On voit quand même que c'est des petits fourbes, hein, toujours Ubisoft. Hein. Ah, dès le premier Rayman, c'était la catastrophe. Bon, encore Rayman 2, ça va. Ils sont plus gentils. Dans Rayman 3, c'est. C'est encore plus simple. C'est fort joli ici. Ça sent trop l'énigme ici. Hein, mais bon. Ah bah, on peut pas avancer. Forcément, c'est une énigme. Eh bien, que faut-il faire?
mon cher Jean-Pierre, et ben j'en fais un. Faut tirer la lumière, je sais pas moi. Faut bouger ce truc là. Ah mais si on peut pas interagir. What? J'ai réussi à faire un truc. La danse de la pluie. Et j'aurais jamais trouvé ça en... J'ai bourriné tous les boutons, et je crois que c'est en bourrinant le cercle que ça fait ça. J'aurais jamais su. En gros, faut le faire aussi, hein. Ah non. Bah, cercle, c'est aussi tapé, quoi. Je sais pas. Ah, mais quelle énigme incroyable. Beyond Good and Evil, c'est beaucoup plus dur. Boss chenille. Oh purée, je déteste les chenilles buggées en 2D. Elles sont moches, regardez-moi ça, cette horreur. On dirait des poux géants. On est en train de combattre des JPEG quand même. C'est épique. Attention. Oh là là, ils sautent de partout là. C'est la grande partouze hein, des chenilles. Endiablées. Ah bah ça va. C'est quoi ce boss tout moisi? Voilà, il est plus énervé. Ah, il se démultiplie. Ah, il se multiplie, je veux dire. Mais quelle victoire incroyable du grand Oliver Plasman. Vous avez vu ça? Vaincre un JPEG? Comment il a fait? Alors. Ah, voilà, magnifique cage. J'ai l'impression que les lumes seront plus faciles à trouver. Enfin, pas les lumes, je veux dire les. Voilà, les cages. Les prisonniers. Les petits prisonniers. Qui vont être tirés dessus. Parce que c'est pour un petit test. Les pirates sont en train de tester leurs armes. C'est classe. C'est des marches ou quoi? Quoi? Ah, c'est des marches. Ah purée, de là on dirait, je sais pas, on dirait que ça ressort du mur, mais on dirait que ça fait 2 cm même pas. Alors qu'en fait c'est des vraies marches. Ok. Faut faire gaffe un peu... à comment... Je ne trouve plus le mot. Comme d'habitude, vous le direz. Faire attention au... Bah, où est placée la caméra, quoi. Tout simplement. Ou perspective, voilà. Voilà. Je dois réfléchir énormément pour dire un mot comme ça. C'est incroyable. Allez, on va se faire les ennemis, là. Les chenilles géantes, là. Elles sont énormes, celles-là. Plus grosses que le boss. Bon, je peux sans doute grimper là-dessus. Voilà. Tranquille. Bon, les pires ennemis du jeu, c'est les araignées. Comme par hasard, il va y en avoir une. Ah non. Je n'ai point une araignée, c'est une tentacule géante. Qui peut nous tuer en un seul coup, c'est magnifique. Attends. Faire perdre de la vie, on va se TP. Tout simplement. Faire gaffe à ces conneries, mais... Faut aller où du coup là? Il y a de la lave ici. J'entends quelqu'un qui me dit à l'aide. Help me! Où est-il? Ah, il est là. Mais pas. Cette technique, vous l'avez senti? C'est le skill révélateur. Ah là. On va faire gaffe à ces trucs-là. Les tentacules magiques. J'ai presque plus rien à dire, donc voilà. Allez, on se grouille avec une petite roulade magnifique de Rayman. Attention, là, ça sent. Ça sent le mini-boss. On a eu quand même 2 boss d'un coup, là, quand même. C'est assez incroyable. Même si le deuxième boss était assez moisi. La chenille
avec un balai dans le cul. Que se passe-t-il? Tu es tentacule avant de tomber, ça? À cause des tentacules? Mais quelle phase incroyable! En vrai, je comprends pas où ça me mène, ça. Ah, ok. Ok. En fait, j'aurais pu tomber ici. Ah, mais non. Je crois qu'il va y avoir purée un temps de chargement. Ça me dit quelque chose. Ah, purée. Ah, et ça me dit quelque chose après la plateforme qui brûle. Si, il y avait ça dans Rayman 2, bien sûr. C'est pas une nouvelle phase, ça. Avec les magnifiques tentacules en... Mais pourquoi? Pourquoi je suis poussé par le banc, là? Je pouvais pas me poser sur la plateforme. Il y a du vent. Ah, il y a du vent. C'est ce que je disais. Peut-être que si j'augmente le son, j'entends peut-être un petit brin, enfin... Un petit son magnifique du vent. Ah, il y a moins de JPEG que sur DS, hein. Pour les tentacules. Ils ont fait des efforts. En même temps, je l'ai pas fait sur N64, hein, j'ai fait que le tout début. Bon, je crois que la version N64, c'est à peu près comme sur DS, hein. Bon, il est peut-être un peu plus beau parce qu'il est moins pixelisé. Enfin, même pas du tout pixelisé, vu que c'est la N64, c'est un peu flou, mais c'est pas pixelisé la N64. Finalement, Nintendo, ils se sont dit que finalement, c'est mieux d'avoir un peu de pixels, mais que ce soit plus net, enfin, un peu d'aliasing, que ce soit plus net, que ce soit méga flou et qu'il n'y ait pas du tout d'aliasing. Bref, si la PlayStation 1, c'était moins bien que la N64. Ah là, il faut 270 kilo-octets, c'est vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'écrase la partie à chaque fois. Oui. Ça fait un peu trop pour ma carte mémoire. Purée. Magnifique texture. Regardez-moi ça. Non, et pour un jeu de 2001, ça va. Ah, nous sommes pas loin du boss. Nous sommes pas loin d'un boss que je connais fort bien. Quand est-ce que... Si on va là, on crève ou... Ah oui, carrément. Ah, je sais pas, c'est de l'eau ce truc ou... C'est quoi ça? Ah non, c'est de la lave. On sait pas ce que c'est en fait. La couleur est un peu chelou. On dirait de l'eau du marécage. Je sais pas, c'est vert. C'est vert kaki. Purée, je me suis fait toucher par quoi là? Quoi? Je peux pas sauter par dessus. Ah non. Ah non, d'accord. La hitbox fait toute la hauteur. C'est tout à fait, tout à fait. La hitbox qui ne suit pas du tout les flammes. La hitbox des flammes est bien plus grande que ce qu'on peut croire. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas, moi. Je vais là-haut, là. Je vais retester. Ou est-ce qu'on peut taper sur les flammes? Non. Attends, sérieusement, c'est vraiment les flammes qui m'ont touché. On va recommencer, hein, parce que... Je n'y crois pas une seule seconde. Deux. Ah, si c'est ça. Super, je die. Voir Rayman mourir dans d'atroces souffrances en se noyant dans de la lave. Quelle fin magique. Ah bah ça va, on repop ici. Bah vu que j'ai sauvegardé, c'est un peu logique. Ah attendez, j'ai vu une plateforme là-bas. C'est tout. Maintenant j'ai plus qu'à crever en paix. Non mais sérieusement. Que faut-il faire? Avec le Kamehameha. Non mais sérieusement, je ne vois pas. Maintenant que je sais faire des Kamehameha, c'est bien, mais bon.
ou le Hadouken, hein, à vous de choisir. Bon, je dirais que Kamehameha, c'est bien plus connu. Même si ça ressemble plus à un Hadouken, vu que c'est qu'une boule de feu. Non, en fait, je vois pas du tout, là. Monter là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on est touché aussi là-dessus. C'est complètement con. Parce que là, c'est trop haut. Vous êtes d'accord? Ça se trouve, c'est pas trop. On peut monter. Ah, j'ai trouvé! Oh purée, mais je suis... Ah non, en ce moment, je sais pas pourquoi. Quand je joue à un jeu, des fois, je suis bloqué. Et c'est toujours pour une raison toute conne. Pour genre une énigme comme ça. Voilà. C'est magique. Ah, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Ça m'arrivait pas avant. Être bloqué face à une énigme comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est un peu trop haut. Oula. Là, on y va, go. Petit checkpoint, mais je préfère d'abord voir. Parce que j'ai vu pas mal de lumes là-bas. Ah, mais c'est sans doute la porte qui nous conduit là-bas. Ah, d'accord, c'est fermé. Baston, baston, il va y avoir la baston. Oula, oula, là, là, des chenilles. Des chenilles, j'aime pas les chenilles. Elles ont un regard. Mauvais! Non! Une plateforme! Alléluia! J'ai la phobie des chenilles! Ah ouais, c'est bon. Grâce au rebond. Mais ces clôtures me font vraiment penser. Enfin, clôture. C'est derrière. Me font vraiment penser à ce qu'on voit dans Rayman 3. Le même style de décor. Attendez, je vais délivrer la cage. Ah, vite. Bon, ça, c'était pas au pixel près. Ce qui est fou, c'est que je me souviens vraiment plus de ce niveau. Vite fait, dans ma tête. Là, faut faire un peu gaffe. Voilà, petit interrupteur. Faut les voir, les interrupteurs, parce que ça m'arrive en ce moment de pas voir ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, c'est ça a activé la plateforme qui est là. Qui est en train de s'enlever. De s'enfoncer dans ce mur magnifique. Donc voilà, il y a des chenilles qui popent d'un coup, c'est magnifique. Qui sont en 2D. J'appellerais pas trop ça des chenilles, mais plutôt des poux, mais c'est pas grave. Ah, c'est la fin du niveau. Mince. Non, elle m'attaque. Merci, Rayman. Je vais t'ouvrir la porte qui mène sous le sanctuaire. Mais tu vois pas qu'elle m'attaque? Elle me regarde. Je vais t'ouvrir la porte qui mène sous le sanctuaire. Sur place, tu trouveras un des masques. Vas-y. Moi, je dois retourner au cercle magique. Le cercle de Mamie Vaudou. Quoi? Pourquoi il est pas allé dans le cercle? Ah non, faut qu'il aille à la porte pour donner d'abord le fameux masque. Nous sommes au deuxième masque, c'est ça? Ou au troisième? Non, troisième. Troisième. Eh, si c'est deuxième là, c'est... Attends, c'est... Ce jeu là, il est encore plus long qu'un open world. Surtout qu'il y a marqué stage 7 sur 10. Et peut-être que je lis mal et on dirait plus... Si, on dirait plus un 7 qu'un 1, mais ça ressemble à un 1. Mais bon, je sais pas ce que ça veut dire 7 sur 10, là, les stages. Peut-être qu'il parle des stages à la sanctuaire de lave. Ah, donc du coup... Bah j'y suis, et... C'était là, en fait. Je suis reparti du sanctuaire de lave ou... Ah non, c'était en dessous du sanctuaire de lave, et là, maintenant, j'y suis.
grâce à la magie vaudou. Ah, les temps de chargement, ça fait vraiment plaisir. Bon, je pense que ça va être la dernière phase qu'on va faire pour cette partie. On va finir le sanctuaire de lave, on va essayer. Je vais pas sauvegarder. Que j'aurais peut-être dû. Ah, un boss! Ah, c'est pas le moment où on peut voler. Ah, si ça me dit quelque chose quand il regarde en bas, qu'il regarde en haut après. Et voilà, c'est le moment où on va voler. C'est épique! Bah oui, dans Rayman 1, on avait un moment où on pouvait voler, et bah là, ça va être pareil. Ah bah si on est à ce moment-là, franchement, là, on est à 70% du jeu, quoi. On est rendu loin, déjà. Rayman, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. J'ai réuni assez d'énergie pour te donner un pouvoir. Tu peux désormais voler avec ton hélico. La mauvaise nouvelle, c'est que ta quête sera plus... Alors un conseil, sers-toi du vol en hélico. Pour cela, active l'hélico, puis laisse la touche. Presse la touche L2 pour te déplacer de côté. Je t'entends tellement mal que je sais pas si je coupe les dialogues, je pense. Bon, vous avez eu le temps de lire. Allez. Ah là 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 là. Là sur... je crois que sur DS, il n'y avait pas... Il n'y avait pas ces tentacules qui ressortaient. Ces ronces géantes, je veux dire. Qu'est-ce que je raconte avec les tentacules, moi? Mais pourquoi ça marche pas? Ah si. Ah ok, faut rester appuyé sur croix. Quel passage secret incroyable. Ça va être limite là, non? Voilà, que c'est limite. Que c'est dangereux ce que je fais. Aussi dangereux que un speedrunner qui fait un glitch. Très dangereux. Oula, qui prend des risques. Inutile. Voilà, je pense à notre dernier niveau. Regardez-moi tous ces lumes rouges, ils m'attendent. Voilà, c'est magnifique. Bon, par contre, on voit pas grand-chose, hein. Faudrait que voilà. Que Jean-Pierre qui nous filme depuis le début de notre aventure vienne avec nous avec son hélicoptère, voilà. Purée. D'accord, on s'en fout de la chenille. Ah là là. Ouh là là, je vais me faire toucher. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette caméra? Et purée, on peut pas se le faire ce truc? On peut pas se le faire, bon ok. Si tu veux. En gros, on est obligé de se faire toucher, c'est fun. Ah, purée. Et si on touche ne serait-ce une petite ronce en JPEG, on est mort. Ça doit être quand même ignoble hein, de voler entre les ronces comme ça. vous imaginez le truc? Merde. Ça picote de partout. Oh, c'est pas mal l'effet de lumière. Ah bah c'est pour ça que je suis poussé par le vent, voilà, c'est ça. Ça génère du vent. Un petit ventilo, purée. Et puis, ah, j'en ai marre des niveaux poils de 2 pixels. Je peux pas te dire de gros mots. Poil de cul. Attention. Oh là là, dans le trou. S'il y avait pas ce trou, je serais mort. Purée. Mais c'est pas vrai. Ah non, si c'est en plus ils mettent des ennemis, surtout que c'est les chenilles, les pires ennemis de Rayman 2, parce qu'ils sont super relous.
ils volent de partout. C'est complètement illogique. Ça, ils sont pas revenus. Ouah, ça, ça a l'air chaud bouillant ici. Un niveau comme ça dans Rayman 3 sur Game Boy Advance aussi. Mais qui est bien moisi par contre, hein. Répétitif, purée. À souhait. Alors, vous imaginez un niveau où on vole comme ça entre les ronces et que c'est en 2D. Voilà. Est-ce qu'on peut aller là-dessus hein? Ah oui, d'accord. De la lave, oui. Forcément, on peut aller là-dessus. Je suis presque mort. Ils aiment bien les losanges ici. C'est un monde qu'on va bientôt affronter, le boss que je crains d'affronter. Je vais en parler dès la partie 5, je crois. Quand on faisait. Quand on était avec l'obus sur pattes et qu'on courait sur la lave. Voilà. Tout à fait logique. Donc oui, c'est de la lave ce truc-là. Okay. C'est peut-être la fin. Je suis presque mort. Oh purée, non, mais non. Tout mais pas ça, tout mais pas ça. Purée, je les tire dessus, ils sont pas morts. La caméra est buggée. Je crois qu'il faut aller dans le trou, mais bon. Je préfère aller en haut. Ah oui, c'est fort sympathique d'aller en haut hein, pour voir les bugs graphiques. C'est fort sympathique. Regardez-moi ça. Des bugs graphiques dans un jeu de PS2. C'est une première quand même. Hein. Je sais pas pour vous, mais. D'habitude, ce genre de bug, ça arrive sur PC. Petit temps de chargement encore. Le problème c'est qu'il y a souvent des gros blancs dans les temps de chargement. Je sais mais j'ai pas grand chose à dire quand je vois un fond noir avec Rayman qui dit coucou sur Carmen la baleine. Une petite sauvegarde. Oh là là, 61%, mais on a volé pendant une minute et on a gagné 3%. C'est magnifique. Ah pour ça je suis tellement fort que faut applaudir. Voilà, 3% de gagné, c'est invraisemblable. Mais ça arrive hein, vous voyez. Et donc on a un fameux checkpoint. Donc ça veut dire que si je perds toute ma vie, c'est pas grave. Ben voilà. C'est pas grave. Essaie encore. C'est parti. Heureusement que les lumes jaunes ne repopent pas. Ah, les petits lumes se roulent. Je suis à fond là, il y a une musique sympathique là. Je sens que c'est rythmé, on va mettre le son plus fort. Pour moi. Ça va me concentrer dans ma skill. Merde. Pam 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 pam. Ah c'est déjà fini. Pas vrai. Purée. Finalement le son il est à peine plus fort. Je l'ai levé de 4 crans et c'est pas terrible. Purée. Ça lag. 15 FPS. Je vais vite. Un checkpoint. Enfin, un petit checkpoint.
Les gros checkpoints, c'est quand il y a carrément une sauvegarde. Que les petits checkpoints, c'est si on perd toute notre vie, eh bien, c'est foutu. On recommence au gros checkpoint. C'est pour ça que ça peut être relou des fois. Ah, mais en fait, j'ai pas... Je pouvais monter, bien sûr. J'ai oublié que je pouvais voler. Il y a forcément deux cages. Et là, on peut pas y aller. Comme ça. Finalement, c'est pas une musique méga... Je m'attendais à un truc énorme. Finalement, ça s'arrête quand j'augmente le son. C'est un peu con. Attention. Attention. Vite, tire. Ah non, il va pas tirer. Ça passe. Et c'est là qu'on va rencontrer le boss. Le boss losange ou triangulaire, je sais plus. Il y a une tête triangulaire ou une tête de losange. Tête triangulaire, moi, je dirais. Je vote pour la tête triangulaire. Ah là là, mais quel talent! C'est véritablement une tête triangulaire! On pourra jamais ressortir un boss de cette modélisation aujourd'hui. Hein. Je ne pense pas. Oh mon dieu. Je suis un polygone! Tu vas tâter de mes muscles en polygone! Tu te souviens encore? On a pas gagné de pourcentage, là, c'est du mal joué. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je ne peux plus voler. Gardien du sanctuaire de terre et de lave. Fuis, Rénal, il va te brûler vif. Mon dieu. Je me souviens, c'était une course-poursuite. Attention. J'ai un trampoline. J'aurais peut-être dû prendre le trampoline fait de toile d'araignée. C'est pas une bonne idée d'aller là. En tout cas, ça, il fait toujours la même attaque. Mais bon, après, il va s'énerver. Il va peut-être faire des meilleures attaques. Ah! Bon, j'ai trouvé son point faible. J'ai trouvé son point faible, faut l'avoir avec un stalactite. Chérie. Oui, mais quel talent. Donc maintenant, plus qu'un autre et c'est fait. Ce n'est pas non plus fini de lui, hein. Je pense qu'il a d'autres formes, mais bon. Enfin, d'autres formes. D'autres phases, plutôt, avec lui. Parce que je pense qu'il restera toujours un magnifique polygone. Ce boss incroyablement bien modélisé. Purée. Et flippant à la fois. Purée, mais non. Il va regagner de la vie. Non. Je sais pas si en mourant comme ça, il va regagner sa vie. Non, on n'en sait rien. J'espère que non. Bon, je pense savoir quel titre mettre à cette partie. Hein. Parce que bon, trois boss d'un coup, vous devinerez peut-être le titre. Même si vous le verrez avant de voir la vidéo, donc c'est un peu con. Jury, il a récupéré sa vie. Je sais, je dis un peu trop tard. Attention. Bouffe-moi ça! Je saute un peu trop haut, je vais risquer de tomber dans la lave. J'ai compris comment esquiver ces espèces de tornades de lave. Là. Faut juste se décaler un peu vers la droite. Hein. Vite fait. Et encore, des fois, ça tourne tout seul. Voilà, là, il est capote. C'est tout, c'est ça le boss? Pourtant, je me souvenais de ce boss comme s'il était quand même pas si simple que ça.
pas plusieurs phases, notre pote Polygon Man? Ah, ils nous disent de descendre. Attends, bravo Rayman, désormais tu peux utiliser le vol en hélico au-dessus de la lave. Le vol en hélico, on peut le faire que au-dessus de la lave, quoi. C'est un peu chelou comme principe. Félicitations, tu as trouvé le troisième masque. Encore un masque et le miracle s'accomplira. Va, vite. Et voilà, vous avez entendu le tapis Maya. Crapaud avec des petits yeux, et bien sûr il nous reste plus que un masque à récupérer pour pouvoir accomplir un miracle incroyable, vaincre Barbe Tranchante, ce nain de jardin. Les sauvegardes sont de plus en plus longues, j'ai l'impression. Voilà, Rayman, c'est horrible. Les pirates ont réussi à s'emparer de Clark. Mais comment est-ce possible? Il paraît qu'ils sont en train de tenter des expériences sur lui. Sur un gros tas comme lui. Il y a une entrée vers leur laboratoire quelque part, dans la caverne du crâne. Alors, voilà, je sais où est la caverne du crâne à peu près. On était déjà allé, mais on pouvait pas y aller. Donc maintenant on peut peut-être y aller, vu que Lee, la fée, nous a donné un pouvoir magique. On peut maintenant voler. Enfin non, voler que au-dessus de la lave. Voilà. C'est triste. Et on peut pas voler partout. Hein. Donc voilà. Ah bon, on se retrouve ici, tiens. On se retrouve ici, quelle surprise. Voilà, donc sur ce, avec cette magnifique vue, on va plutôt regarder les horizons. Enfin, l'horizon. Purée. J'ai failli tomber. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures pour la prochaine partie. La partie 9, qui sera sans doute quand même un peu moins mouvementée que celle-là.